I went to sleep and I woke up dead, but I changed my mind and I want to live. I went to sleep and I woke up dead. What's tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News à propos d'une paire de chaussures, ce qui est relativement rare sur ma chaîne YouTube. Je présente rarement les paires de chaussures, sauf une d'ailleurs, qui était une Nike je crois à l'époque. Et aujourd'hui on va encore parler de Nike. Et on va parler donc des Nike Hyper Adapt 1.0, qui sont un peu les nouvelles chaussures qui par contre ne vont pas sortir tout de suite et ne vont pas encore sortir en Europe, hein, carrément, même en France et tout, tu vas pas les voir encore dans notre pays, mais ça va sortir aux États-Unis le 28 novembre. Je vais vous expliquer un peu cette paire de chaussures parce que souvent, bah voilà, mes vidéos ont tendance à parler quand même, on va dire, de technologie. Et pourquoi parler technologie avec une paire de chaussures? C'est que forcément, il va y avoir de la technologie dans cette paire de chaussures. Voilà. Paire de chaussures qui vont devoir être rechargées. C'est-à-dire que tu vas devoir recharger ta paire de chaussures. Quand j'en avais parlé à quelques amis, ça les a fait rire parce que c'est vrai que maintenant, on recharge tout, limite. Que ce soit même les montres maintenant, bah forcément les smartphones et plein d'autres choses. Ça, maintenant, on se transforme ça avec des batteries portables et forcément, il faut les recharger avec un chargeur dans une prise secteur et tout. Et là, ça va être un peu la même chose. Voir la même chose en fait avec une paire de chaussures. Nike a frappé super fort au début de l'année, et donc en levant en fait cette première paire de chaussures auto-lassante de toute l'histoire de l'humanité. C'est spécial. Alors après, il y en a qui vont dire c'est super incroyable et il y en a d'autres qui vont dire c'est nul à chier. Donc ça, je peux comprendre les deux avis. Moi, je pense qu'il peut avoir du penchant à un côté et voir du négatif de l'autre. Moi, ça serait une balance un peu. C'est pas non plus, je pense, comment il les présente, non plus miraculeux. Mais ça, c'est intéressant de voir ça et de voir qu'on travaille aussi sur des paires de chaussures et mettre de limite de l'électronique embarquée, enfin, rajouter un peu d'électronique dedans et de faire en sorte que, voilà. Donc, en gros, t'as plus besoin de faire tes lacets et tout. T'as juste à appuyer, et ça, je vais vous montrer avec quelques images, et bien appuyer, et je vous mettrai aussi entre parenthèses dans la description le lien de la vidéo qui présente un peu cette paire de chaussures. Normalement, appuyer sur un petit bouton et t'as un côté où t'as des LED un peu, voilà, en bas de la chaussure ça s'éclaire, et puis à l'arrière aussi t'as des petits points, je crois, qui doivent représenter un peu le niveau de la batterie de la chaussure. Forcément il y a une batterie, donc il y a une autonomie. Et au passage, au niveau de l'autonomie, Nike annonce une autonomie moyenne de 2 semaines pour une utilisation normale. Alors une utilisation normale, c'est peut-être sortir une fois tous les jours, au moins je l'espère, voire 2 fois tous les jours, et d'utiliser au moins assez fréquemment et bien cette paire de chaussures. Donc elle se resserre tout seul, enfin en tout cas les lacets, et c'est vrai que j'ai trouvé ça assez intéressant parce que même moi j'ai jamais pensé à une paire de chaussures. Alors on voit des fois de temps en temps dans la rue des gens qui se trimballent avec des paires de chaussures qui ont des petites LED, enfin qui s'allument et qui font assez joli ou pas du tout, hein, même des fois assez rigolo, mais on voit ça. Et puis c'est vrai que quelque part là on voit carrément des chaussures un peu plus poussé proposé par Nike, qui vont carrément, les lacets vont se serrer et à la bonne, bien sûr, à la bonne position pour que vous ne soyez pas non plus écrasé dans votre paire de baskets. Donc vous mettez votre basket dans votre pied et puis après hop, vous avez les chaussures qui se serrent. La précision, c'est que Nike a cependant quand même bien fait les choses, c'est-à-dire que cette marque-là a mis au point un chargeur magnétique relativement proche de celui de l'Apple Watch, donc il faudra par contre compter 3 heures pour recharger complètement les chaussures avec une autonomie de 2 heures. Après, je pense pas que non plus, si t'as pas de batterie, que ce soit non plus super difficile de marcher avec ces chaussures là, même si les, on va dire que les lacets sont desserrés, je pense pas que ce soit super compliqué, mais l'idée est principalement bonne, et pourquoi pas après dans l'avenir avoir des paires de chaussures avec une mire électronique embarquée, enfin mieux foutu, parce que c'est vrai que là on part sur des choses relativement simple. Tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir de me suivre sur ma page Facebook personnelle aussi. Puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out.